suis Séverine, je suis infirmière au centre. Je travaille actuellement en tabacologie. Je poursuis un DU de soins en addictologie. Donc j'interviens au sein des soins de support dans l'équipe ELSA, c'est l'équipe de liaison de soins en addictologie. Je travaille en collaboration avec le docteur Imbert, notre tabacologue. Notre rôle en fait est d'accompagner le patient. Au début, il est préférable de sa prise en charge afin de le soutenir dans sa démarche en fait, soit de réduction de consommation de tabac, soit d'arrêt de consommation de tabac. Notre intervention est la plus précoce possible, mais nous fournissons également un accompagnement post-traitement CGFL en fait, en relais dans les différentes structures existantes au plus près de leur domicile afin d'atteindre leur objectif. Les soins de support sont primordiaux dans la prise en charge des patients puisque le cancer, on le sait, c'est un bouleversement au niveau physique, psychologique et social. Et en fait, ils permettent en fait d'aider le patient et sa famille au mieux pour gagner en qualité de vie en fait, pendant ce moment un peu compliqué. Donc j'ai découvert le centre de lutte contre le cancer en fait au cours d'un stage que j'ai effectué il y a plus de 16 ans. J'ai découvert un côté humain, une prise en charge personnalisée des patients et certaines valeurs qui se rapprochaient de mon souhait de prise en charge des patients. Alors, quand j'étais jeune, j'ai eu une première profession, j'ai été en reconversion professionnelle. Je voulais garder le côté relationnel que j'avais dans ma précédente profession. Il s'avère que je l'ai retrouvé et que cela m'épanouit à l'heure actuelle. Donc, j'en suis très heureuse.